You are welcome back to Come Up Here. Vous êtes la bienvenue à Monte Ici. I pray that God help me to teach 35 minutes so that we can close. Je prie que le Seigneur m'aide à enseigner pendant 35 minutes et que nous puissions ainsi terminer. Amen. Amen. Vos chaises peuvent aller un peu comme ça. Ça dérange mon ancien. Poussez. Acclamons Dieu. Amen. Que le sang de Jésus nous préserve. May the blood of Jesus preserve us. Que le sang de Jésus préserve vos maisons. May the blood of Jesus preserve your houses. Toute libation nationale. Any national libation. Sur votre maison. Over your house. Sur votre famille. Over your family. Vos mariages. Your marriages. Votre destinée. Your destiny. Est annulée au nom de Jésus. Is cancelled in the name of Jesus. Est annulée au nom de Jésus. It is cancelled in the name of Jesus. Every spiritual national libation. Toute libation spirituelle nationale. Anybody that represent the nation before the devil today. Toute personne qui a représenté la nation devant le diable aujourd'hui. Let the blood speak for us. Que le sang parle pour nous. Let the blood speak for us. Que le sang parle pour nous. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Our head will not carry the punishment. Nos têtes ne porteront pas la punition. Anything that they have opened to the nation. Tout ce qu'ils ont ouvert sur la nation. We pray that let the blood speak on our behalf. Nous prions que le sang parle à notre faveur. Let the blood preserve us. Que le sang nous préserve. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Every altar that has been activated. Tout autel qui a été activé. We cancel it by the blood. Nous l'annulons par le sang. We cancel it by the blood. Nous l'annulons par le sang. Any accident that will come after these days. Tout accident qui va arriver après ces jours. I'm preserved and you are preserved. Je suis préservé, vous êtes préservé. Your house is preserved. Vos maisons sont préservées. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Sous conséquence de libation et de l'adoration diabolique. Any consequence of libation and the diabolic worship. Dans cette semaine. In this week. Que le sang nous garde. May the blood keep us. Que le sang de l'agneau nous préserve. May the blood of the Lord. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Que la miséricorde du Père. May the mercy of the Father. Tourne vers cette nation. Turn towards this nation. Oh God. Oh Dieu. Don't count the sins of our fathers. Ne compte pas, ne tiens pas compte des péchés de nos parents. Against us. Contre nous. We cry for mercy. Nous crions pour la miséricorde. We cry for mercy. Nous crions pour la miséricorde. Let the blood speak for us. Que le sang parle pour any nous. Any spirit of death. Tout esprit de mort. That has been released. Qui a été libéré. Over the territory. Sur le territoire. We resist it. Nous nous opposons. By the blood. Par le sang. 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 In the mighty name of Au Jesus. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit que l'ange a parlé à Gédéon. The Bible says that the angel spoke to Gideon. Il dit que le problème de la nation c'est les idoles de ta maison. He said the problem of the nation is the idols of your house. Les Gédéons sont les travailleurs. Gideons are workers. Ils travaillent bien mais l'ennemi vient envahir ce qu'ils ont planté et l'ennemi dévore et part. They work hardly, but the enemy come and take over the harvest. Et il est en train de se cacher dans le champ. So Gideon was hiding himself in the farm. And the angel said, "Man of valor." Et l'ange a dit, homme vaillant guerrier. Who are you calling man of valor? Il dit, pourquoi m'appelles-tu vaillant guerrier? How can I be a man of valor while the enemy is feeding on us? Comment je suis un vaillant guerrier pendant que l'ennemi se nourrit de nos records? When he inquired from the Lord. Et quand il s'est renseigné auprès du Seigneur. And say what we have heard of the Lord. Il dit ce qu'on a entendu le Seigneur faire. On a écouté que tu avais délivré nos parents. We heard that God have delivered our forefathers. On a écouté que Dieu a ouvert la mer rouge. We heard that God opened the Red Sea. On a écouté que le fleuve Jordan a séché devant eux. We also heard that the Jordan get dry before the Israelites. On a parlé des miracles, grand miracles. We heard about the great miracles. But look at our life. Mais regarde à nos vies. And the angel says, Gideon. Et l'ange a dit, Gideon. Va dans ta maison. Go into your house. Il y a quelque chose dans ta maison. There is something il in your house. Il a une adoration. There is a worship. Il a une hôtel. There is an altar. Il a une hôtel. There is an altar. Dans la maison. In the house. Qui facilite. That allow. L'avantage. That give advantage. À l'ennemi. To the enemy. De vous torturer. To torture you. Qu'est-ce qui se passe dans cette nation? What is going on in this nation? Qu'est-ce qui se passe dans les maisons? What is going on in Qu'est-ce houses? Qu'est-ce qui se passe dans les églises? What is going on in churches? Quelle est la statue des jeunes? What is the status of the youth? Quelle est la statue des jeunes? What is
destin child of the youth. Les gens finissent l'école, ils n'ont pas boulot. People finish education, si there's no work. Non, il devient quelqu'un d'autre. If they are not riding motorbike, they become il a quelque chose else. Qui doit changer. There is something that must change. Les étrangers sont beaux, sont belles. The foreigners are beautiful, mais les gens de la handsome, nation, eux, sont limités. But the people of the house are limited. Les étrangers viennent voir qu'il a quelque chose bon dans ce pays. Foreigners come and see there is something gold in this nation. Mais ceux qui font partie there du son de la nation, pressing them down. Il y a quelque chose qui les oppresse. We are praying in the name of Jesus. Prions au nom de Jésus. Lord, this proverb will not work against Seigneur, us. Ce proverbe n'a pas, ne va pas marcher that contre our nous. Parents will eat soya grapes. Que nos pères ont mangé les raisins verts. That the teeth of our children et que les dents des enfants will be set on edge. Soient agacées. Lord, we cancel it. Seigneur, nous l'annulons. We cancel it. Seigneur, nous l'annulons. Les femmes sont enceintes. Les women are pregnant. Et ils perdent leur bébé. And they are losing their baby. Les gens vont à l'hôpital. People go to hospital. Et ils meurent à l'hôpital. And they are dying in the hospital. Oh Seigneur. Oh Lord. Aie pitié de cette nation. Que le sang parle à notre faveur. Quelqu'un prie ce soir. Somebody start prie pray. Ce soir. Start pray. Prie ce soir. Start pray. Pour la nation béninoise. For the nation Benin. Prie ce soir. Pray. Levez vos mains. Yes. Alibre kuvala kata. Prie ce soir quelqu'un. Pour la nation. La nation. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Seigneur, que le sang parle à notre faveur. Que le sang parle à notre faveur. Let the blood speak on our behalf. Oh Jesus. Oh Jésus. Invoque le sang de Jésus maintenant, rapidement. Call upon the blood of Jesus right now. Jesus Christ of Nazareth, we silence everything from the dark world. We silence everything from the dark world. In the precious name of Jesus. In the precious name of Jesus. Right now, in the name of Jesus. Right now, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord, for your grace. Que le sang parle à notre faveur, que le sang nous préserve. May the blood speak on our behalf, may the blood preserve us. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Par le sang de l'agneau. By the blood of the lamb. Je suis préservé. I am preserved. Moi et ma maison. I am my house. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. In Revelation chapter 4 verse 1.
En Apocalypse chapitre 4 le verset 1. By the grace of God, Sunday we were trying to make emphasis in that verse. Le dimanche passé, par la grâce de Dieu, nous avons essayé d'insister un peu sur ce verset. It was the Apostle John in Revelation chapter 4 verse 1. I read. Il s'agit de l'apôtre Jean dans Apocalypse 4, 1. After this, I look. Après cela, je vis. And behold, a door was open in heaven. Une porte ouverte dans les ciels. And the first voice which I heard was as were of a trumpet. Et la voix que j'avais entendue me parlait au début et qui résonnait comme une trompette. Talking with me. Me dit. Which said. Okay, which said, come up here. Me dit, monte ici. Somebody say, come up here. Que quelqu'un dit, monte ici. Si vous voulez en anglais, come up Ida. Faut parler anglais un peu, il y a quoi? Come up Ida. Les gens qui fuyaient le professeur d'anglais, mm. Il faut dire come up Ida. Tu vois, l'homme moissonnera ce qu'il a semé. C'est ça. Ce que tu fuyais à l'école, ça t'attrape à l'église. Oh, Seigneur, aide-moi. So come up Ida. So monte ici. And I will show the things which must be here after. Et je vais vous montrer les choses qui viendront après cela. Amen. Amen. Well, bien. A nation like Benin. Une nation comme le Bénin. God is waiting for the Gideon. Dieu s'attend au Gédéon. A nation like Benin, the grace of God abound here. La nation comme Bénin, la grâce de Dieu abonde ici. Some of us who travel to other nations, pour certains d'entre nous qui voyageons dans d'autres pays, we can tell you what people think of you. Nous pouvons vous dire ce que les gens pensent de vous. When they say Benin, they say Vodou. Quand on dit Benin, tout le monde dit Vodou. Je me rappelais l'année passée, on était à Abidjan. Last year we were in Abidjan. Avec frère Massim, la sœur Colette, David. Okay. We were there with Minister David, Minister Coledas, and her husband Maxime. So on était dans une radio. So we were in a radio station. And the interviewer. Ils nous ont donc interviewé. Et le monsieur a posé une question. Et le monsieur, the man asked a question. 2023, le monsieur pose question. 2023, the man asked a question. Il dit Bénin là-bas, est-ce qu'il y a des églises? He said in Benin, are there churches there? Tu peux imaginer. Can you dans 2023, on peut poser question là. In 2023, they are asking such a question. Le temps des Béanzins même là, ils pensent qu'il y avait des églises cachées. Even in the time of Béanzins, there were some churches. So ça montre, it shows how you are being viewed outside there. Et cela montre comment les gens vous voient de l'autre côté, en dehors du pays. Amen. Amen. And the truth is that. Et la vérité est que. If you see two, like for instance in Abidjan, you see two Béninois, two boys walking. Si par exemple en Côte d'Ivoire, vous voyez deux jeunes Béninois marcher. They normally have a bag. Ils ont toujours un sac. They are selling vodou. Et ils vendent vodou, les médicaments. But this narrative will change in Jesus' name. Mais cet aspect des choses va changer au nom de Jésus. Ton amen n'est pas sérieux. Amen. Ton amen a rétrogradé. Amen. Ton amen est toujours à Ouida là-bas. Amen. Amen. So this narrative have to change. So cette histoire là doit changer. And for the narrative to change, et pour que l'histoire change, we need men and women to be ready. Il nous faut des hommes et des femmes. We are just coming here to stir you up. Nous sommes venus ici pour vous réveiller. And the thing is beyond having church. Et le truc c'est au-delà de avoir une église. Yes. Oui. So je vous ai dit prochainement, si je fais un programme, je serai plus dans l'église. So I told you that next time when I come, I will do any program. I won't be in a church. Je dois parler à la nation. I must talk to the nation. Mais les gens doivent prendre le feu là avant que on parle à la nation. People must catch that fire before we start talking to the nation.
Si tu vas au Ghana, if you go to Ghana, le matin tu vois ça prêche partout. Early in the morning, you can hear people preaching, which you call morning devotion. Même la Côte d'Ivoire, c'est facile à prêcher dans le marché. Even in Côte d'Ivoire, it's very easy to preach in markets. Ici, il n'est pas comme ça. Here, the things are not the same. C'était quand? Lundi, on était au port de pêche. Monday, we were at the fishing harbor. On a demandé permission. We asked permission for permission. Un sale homme me dit que il veut pas brûler. Comment on peut prêcher sans que il n'a pas voulu? And they are telling us they don't want noise in the market. So on a pris la sagesse pour pénétrer dans leur cœur. So we use wisdom to penetrate in their hearts. Il y a toujours l'homme qui veut bloquer ce que Dieu veut faire. There's always a man to hinder what God wants to do. So on a commencé par les chansons. So we start by songs. So ça prie les mamans. So it catches the mothers. So les mamans étaient dans le mouvement. So the mothers were in the move. Maintenant, il y a problème entre leurs leaders. Now there is issue between the leaders. Et souvent, je sais pas, l'homme est terrible. Man is really terrible. Tu vois quelque chose qui a de Dieu qui est en train de prendre feu comme ça. You see something of God that is catching fire. Tu dis arrêtez. You come and say stop it. So il a venu, so les mamans, ils ferment leurs yeux, il me dit. So, why he was trying to stop us, the women of the market was making sign to me with their eyes, keep on, continue. Ça montre que vraiment le peuple a soif. It shows that truly the people are thirsty. Mais là, the Sambalats and the Tobias who are against the nation. Et mais il y a des Sambala et des Tobija qui sont contre la nation. And we have to ignore them so that the will of God can be done. Et il nous faut les ignorer afin que la volonté de Dieu soit faite. Lundi dans ce marché, il y a deux mamans dans le marché qui parlaient pas. And that Monday in the market, two women were not talking. Par notre intervention, les deux ils ont fait la paix. Through our intervention, the two of them have been reconciled. Avant même de les appeler, une a dit que quand elle écoutait le message, elle allait vers l'autre maman que je te salue au nom de Jésus. Parce que ça fait longtemps que ça salue pas. Before even it happened, one when she heard our voices, she went to the other and said, "I greet you in the name of Jesus," because long time they are not talking together. So la chose est plus que une assemblée. So the thing is more than a congregation. We have the message of peace. Nous avons le message de paix. We have the message of restoration. Nous avons le message de restauration. We gotta go. Il nous faut partir. Nous Alléluia. En allons. Amen. One of the things I'll try to do is to move you away from denomination. L'une des choses que je vais essayer de faire, c'est de vous faire sortir de ce qu'on appelle la dénomination. Au ciel, il n'y a pas une dénomination. In church, there's no denomination. L'enlèvement va pas. Ne sera pas sur l'Assemblée de Dieu, Oasis de Dieu, Pentecôte, non. Rapture will not be for Pentecôte, Assemblies of God or Oasis of God. No. Le ciel ne connaît pas ça. Heaven does not know that. The Bible says, these are the men that wash their garment from in the blood. La Bible dit que voici ces hommes qui ont lavé leurs vêtements dans le sang. Il n'a pas dit une dénomination. He didn't say a denomination. Et le corps du Christ est là. And the body of Christ is there. Ce n'est pas ce qui est officiel, officiel, c'est français, yes, non? Ce n'est pas ce qui est officiel. So it's not that which is official as you know, non. La Bible a dit, Paul nous a enseigné que parmi nous tous, là, il y a des gens qui sont l'oreille du corps du Christ, le nez, les doigts, le pied. Alors là, je ne sais pas si tu as... tu es où? En tout cas, si même c'est le petit doigt de Jésus, là, je suis content. So Apostle Paul told us that some of us are the eyes in the body of Christ. So if I'm even the little finger, I'm okay with that. La dénomination a beaucoup détruit l'œuvre de Dieu. Denomination has so much destroyed the work of God. Et la possession, leadership, pastoral, bishopric a détruit l'œuvre de Dieu. So the position, pastoral position, whatever leadership have destroyed so much the work of God. Beaucoup de leaders sont pas spirituels. Many leaders are not spiritual. C'est facile à un leader de ne pas être spirituel. It's very easy for a leader not to be à spiritual. À cause de ta position. Because of your position. Par exemple, for instance, Dieu peut utiliser quelqu'un.
God can use someone et tu peux éteindre ça. And you can quench it as a leader. On est là ou vous n'êtes pas là? Are we together? Si vous ne voulez pas écouter ces choses, pour ne pas venir. If you don't want to hear this thing, don't come. Je ne suis pas venu prêcher visa et les bébés. No. I didn't come to preach visa and babies. No. C'est une révolution spirituelle. It's a spiritual revolution. Il y a beaucoup de gens qui ont mis révolution spirituelle, mais la seule, quand on dit révolution, quand même toi tu quittes là, tu es bouleversé. Many people are talking about spiritual revolution, but when we talk about revolution, as you come out of such a meeting, you are turned around. Your life is tear up. Tu as des maux de tête. You have headache. Yes. So l'homme de Dieu peut éteindre le feu. So the man of God can quench the fire in someone. C'est facile. It's very easy. Sans envoûtement, il peut le faire. Without bewitchment, he can à do it. À cause de quoi? Position. Because of his position. Par exemple, je suis venu. For instance, I came. Je dois prêcher. I have to preach. Si même le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Even the Holy Spirit wants to do something. Sans moi. Without me. Beaucoup vont pas. Many will not accept. Comment moi je vais quitter la maison, monter ici, et je vais pas prêcher? How can I come from the house, coming to church, and I will not preach? Et là, une année, on était à Lomé. One year we were in Lomé. Michel, lève-toi. Sister Michel, stand up, please. On avait une seule chante. We have a sister who is a minister. Qu'on appelle Dangan Ayawavi. That we call Dangan Ayawavi. So on était dans un programme. We were in a program. Vraiment, le message de la sanctification, on le prêche. The message of holiness, we do preach it. So, dans ce programme, so in that program, il y avait une sœur, there was a sister, qui allait voir Dagan Ayawavi. She went to see Dagan Ayawavi. Il dit que les gens qui sont venus sont dans leurs mèches, sont dans leurs bijoux là. The people who came are in their artificial hair and their jewelry. Faut dire quelque chose. Say something. Elle a déjà fini son temps. And she was done. She was done with her ministration. Et cette personne qui allait la parler ne savait pas que Dieu a rencontré, on a pris Dagan Ayawavi dans un programme à Takpame. Là, elle a confessé publiquement que partout où elle va, elle doit déclarer ça. So, cette soeur aussi ne savait pas. Mais l'œuvre du Saint-Esprit était déjà à l'œuvre dès le commencement du programme. So we went somewhere where Ayawavi stated that she everywhere she would go, she would talk about the adornment and the jewelry. So the Holy Spirit used that lady to remind her. On sait pas ce qui est arrivé. We don't know what happened. Elle n'a pas pu faire. She couldn't say it. So quand la sœur est venue le dire, so when the sister came and told her, le Saint-Esprit l'a inspiré pour répondre à la sœur. So the Holy Spirit uses her to respond dit, to the lady. Ne t'en fais pas. Say don't worry. Moi j'ai pas dit. I didn't said it. Mais si c'est de Dieu, quelqu'un, il a beaucoup de programmes. So if le Saint-Esprit va utiliser quelqu'un à dire. The Holy Spirit will use someone else to talk about that. Vous suivez, non? Excusez-moi, moi j'ai pas d'introduction. Je suis pas ce prédicateur. Il faut chercher un thème et introduire toi-même. Il faut suivre seulement. Amen. Si c'est ta première fois, ne sois pas choqué. Your first time, don't be embarrassed. Ok, je prêche sur les 12 mystères de lion. I'm preaching on the 12 mystery of the lion. Le lion a combien de dents? How many teeth did the lion have? Les élèves. Students. So, effectivement, le programme a commencé jusqu'à mon tour est venu. So, we went on in the program till my time came. So, je prêchais. I was preaching. Elle a une atmosphère qui était imposée sur nous. So there was an atmosphere that was imposed on us. So c'est moi qui faisais le ministère. I'm the one doing ministration. Et du coup, la sœur Michel a pris le micro. So Sister Michel pick up the microphone. Je sais pas qui m'a demandé permission même. I can't remember if she asked for Kenneth, permission. Kenneth, tu dors pas. Faut pas trahir la mission. Tu as faim, mal aux yeux, sois guéri au nom de Jésus. Amen. Now,
So elle a pris micro. So she, je suis à plein beaucoup de gens. I was in the heat of the administration. The people were plenty. And she commençait pas à parler. She started talking. Quand j'ai vu que ce n'est pas elle. When I saw that it wasn't Michelle talking. J'ai pris chair, je suis assis. I took a chair and I went to sit down. Et je regardais. And I was watching. L'homme de Dieu peut éteindre ce que Dieu veut faire. The man of God can quench or stop what God wants to do. Le jour là, that day, on connaît même une maman terrible, elle est dure. Quand tu vois son visage là, there was some woman, she's very hard, her face shows it. She's not easy. Avec l'expérience, je prêche les mèches, les bijoux avec la sagesse. With experiences, I preach about weapons, attachment. Mais le jour là, but that day, la sœur, sister, il a commandé les gens. She command them. She command them. Et on n'est pas en Côte d'Ivoire, on est à Lomé. We were not in la Côte d'Ivoire. We les gens Lomé. Qui parlent Mina, like, leur interprétation des choses sont différentes. So ils sont pas ça. Speaking Mina, they have. Et deux, elle n'est pas grosse. Second, she's not fat. Elle est en train de commander les gens. She was commanding people. Je me suis assis. I sat down. C'est là où, si c'est Dieu, tu dois juger la chose. This is where you must judge the thing if it's God or not. Si il faut aller commander les gens, on va te gifler. Go and command people, they will slap you. Et la première, elle dit maintenant. She said now. C'est pas un message, tu vas aller prier. It's not a message you are going to pray. J'étais étonné. I was shocked. Moi, je n'ai jamais vu ça. I've never seen that. C'est seulement une fois j'ai prié, quelqu'un a enlevé sa bague de Maria, un pasteur dans l'église. One, it was once I was preaching and a pastor removed his wedding ring and threw it away. Mais cette dimension, but il this dit dimension, maintenant. She said now. Hey, hey. La petite fille mince, the slim girl. Maintenant, now. On voit les gens enlever les choses. We see people removing their jewelry, throwing them. Leadership, le leadership peut éteindre ce que Dieu veut faire. Can quench what God wants to do. Quand je parle de leader, un mari, when I'm talking about a leader, it might be un pasteur, husband, a pastor, a mother, quelqu'un qui dirige la prière, quelqu'un anybody qui who is leading sur la chorale, anybody who is established over the choir. Si tu n'es pas spirituel et l'humilité, if you are not spiritual and you are not humble. Pourquoi les réveils durent dans nos générations? Pourquoi on ne voit plus les réveils? Why are we not seeing any more revivals? Si Dieu doit le faire, il doit toujours penser par Pasteur Philippe. If God have to do it, God must talk to me as Pastor Philippe before. Mais écoutez-moi, je dis pas ça pour qu'il a des ordres, mais on doit être prêt que Dieu peut décider de faire ce qu'il veut faire sans. Les gens pensent que Dieu l'a laissé parce qu'il a péché. Parfois là, tu n'as pas péché, tu es dans droit avec Dieu, mais il n'a pas, il veut pas t'utiliser. So we must accept that God wants to do His will without us. Sometimes it's not that you have committed a sin, but God have just decided not to use you at that moment. Dieu a dit à Peter, toi tu vas grandir, les gens vont t'aider. Et Pierre a dit. Un Jean, Dieu dit, les Ghanais m'ont dit, si je veux qu'il reste jusqu'à, je reviens. Quel est ton problème? So Jesus told Peter that you will grow and another person will hold you by the hand. He said, what about John? Jesus said, what is your point? If I want him to be alive till I come, John will remain alive. Le réveil, ça bouille. Revival is boiling. Mais il y a des There are concrete that covers it. Mais il y a un béton qui est en train de couvrir. Et ce béton, ce sont les hommes. And that concrete is men. On vient de voir le frère Kenneth. We just saw en train Kenneth. De chanter We see brother et prier Kenneth pour le frère ici. He was singing and praying for the brother here. Dans certaines églises, tu peux pas faire ça. There are some churches you can't do that. Qui t'a mis au monde? Who born you? Il n'a pas la liberté de l'esprit. There's no freedom for the spirit. Oh.
Mais le problème, c'est ceci. But here is the problem. Là où il y a cette liberté de l'esprit, where there is that liberty of the spirit, les gens ne connaissent pas la valeur de ça. People don't know the value of that. Ils s'amusent avec toi. And they are joking with you. Mais le problème, je comprends le problème. Le problème, tout leader qui, every leader that is intimidated by another person give, the problem is not the people, it's the leader. Tout leader qui est intimidé par le don de quelqu'un d'autre, le problème n'est pas ces personnes, mais le leader. Nous tous qui sommes ici là, c'est bon français? Nous tous qui sommes ici, c'est bon français? Nous tous qui sommes. Merci, il faut me corriger un peu. Nous tous qui sommes ici, nous avons des yeux. All of us who are here, we have eyes. Viens, John. John, come. Pastor Timon. Regarde. Take a look. Comment je peux faire parler? How can I fight? Tu regardes plus que moi, tu vois plus. Why can you see more than me and you can hear more than me? How? J'ai des yeux, ils ont des yeux. I have eyes, they have eyes. Si tu as su que Dieu t'a appelé, if you are sure that God calls you, et tu sais que tu as reçu la chose, and you know that you have received it, pour manque de mots, je m'en fous de ce que Dieu fait avec toi. For lack of word, I don't care. Je dis, je m'en fous. C'est pas que je dois être dans sa main. Ça veut dire, j'ai aussi, j'ai des yeux. When I say I don't care, it's not that I'm not about that, but I have also mine that God has given me. La chose est large. The thing is broad. So maintenant. So now, ce qui va arriver, what will happen? Je suis en train de regarder quelque chose. Maybe I was watching something. Je l'appelle. I called him. C'est John ou Peter? John Paul. John Paul. Regarde Fortuna. Take a look at Fortuna. Regarde Fortuna. Take a look at Fortuna. Timon, regarde Fortuna. Timon, regarde, look at Fortuna. Maintenant, il y a l'union de vision. So now there is unity in the vision. Sinon, if le not, Saint-Esprit est prêt. The Holy Spirit is ready. Pour faire réveiller les morts. To even raise the dead. Mais, but, comme j'ai pas ça, because I don't have it, la personne qui a ça peut pas le faire. The person who have the thing cannot perform. Tu peux imaginer, can you imagine, que tu viens dans une église, that you come in the church, la personne qui prie pour les malades n'est pas le pasteur. The person who is praying for the sick is not the pastor. L'église a des problèmes. The church have a problem. So le problème, c'est que la personne aussi qui prie pour les malades, comme il n'est pas le pasteur, lui aussi il va aller ouvrir pour lui. Il a un désordre. There is so much disorder that the one who have the gift of healing, because he's not the pastor, he go and open a church himself. So le pasteur aussi qui n'a pas ce don. So the pastor who doesn't have that gift too. Comme c'est lui qui a la serre, because he's the one with the pulpit. Il va prêcher comme ça. He will preach against the manifestation of the gifts. On ne sait pas où les gens viennent avec leur puissance. We don't know where people are coming from with their power. Les gens. To heal people. We don't know. On est dans Bénin, les gars, fais attention. We are in Bénin, people, be careful. Mais ça serait merveilleux. But it would have been so wonderful. Qu'on est dans l'église. That we are in the church. Quelqu'un a mal à la tête. That somebody have a headache. On sait que And we say, ce don-là, c'est avec quelqu'un. That gift of healing is with another person. Appelle Penuel. Let's call Penuel. Si quelqu'un mal au vent dit, le don là c'est avec Obiège. If somebody have a stomach problem, say, Sister Obiège have the gift of that. Sister Obiège, come. Tu vois le désordre? Can you now see the disorder? La personne qui a le don qui n'est pas le pasteur, lui aussi, il va aller former son clan. The person who have the gift and who is not the pastor will go and form his camp. Do his own. Il sort de l'église. If possible, he will get out of the church. Et dans 2 jours, tu le vois, on l'appelle Otto Otto. 2 days, you see, he's called Otto Otto. Automatique. Automatique. Chap chap. Chap chap. Jesus.
So la chose est vraiment profonde. So the thing is very, very, very deep. Mais ça doit commencer d'abord avec les leaders. But it has to start with the leaders. A leader must not have insecurity. Le leader doit pas être dans l'insécurité. The greatness of leadership is to produce people higher than you and tougher than you. La grandeur du leadership, c'est de produire des personnes plus fortes et plus élevées que vous. Dans le royaume du diable, le diable n'est pas le plus fort. Je vous dis la vérité. In the kingdom of the devil, let me tell you the truth, he's not the most powerful. Jésus même a dit que le diable, dans le royaume, ils ne sont pas divisés. Jesus even said that in the kingdom of the devil, there's no division. C'est à cause de l'ordre qui est là-bas. It's because of the order. Sinon, le diable n'est pas le plus fort. Otherwise, the devil is not the most powerful. Aya. Ceux qui sont le plus forts, ils sont toujours en chaîne. Those who are most powerful, they are still in chains. Okay. Regarde Jésus, quand il faisait les miracles, ils n'ont pas dit que il fait le miracle par le diable. Ils ont dit Beelzebul. Beelzebul, c'est un autre prince. So when Jesus was performing miracle, they didn't say that he's doing miracle by the devil. They say by Beelzebul. Maman, c'est un autre prince. Beelzebul is another prince. Maman is another prince. Mais il a cet ordre. Ils n'ont pas amour, mais ils sont ensemble. They don't have love, but they are together. There is an order. Ce qu'ils n'ont pas, c'est l'amour. What they don't have is love. C'est pourquoi le diable va pas t'envoyer, tu vas faire erreur, on va t'encourager, non. That's why c'est pourquoi tu vas voir les démons sans tête, démons sans bras, démons sans ceci. Parce que la punition, le diable les afflige et les chrétiens font les afflige, pas les prières. So that's why in their kingdom, you can't make a mistake and you will go free. You can see demons without arm, without head. The devil punish them when they fail and also Christians are punishing them as they attack. Pourquoi vous partez à l'église? Why are you going to church? Tu n'es pas fatigué de l'église? Are you not tired of church? Dimanche matin. Sunday morning. Prière d'ouverture. Opening prayer. Prière d'ouverture, même les gens ne savent pas faire. Même. Even prayer, opening prayer. Prière d'ouverture. Aïe. Opening prayer. C'est de préparer le culte. Is to prepare the service. Un salat. And that one too. Normalement, la personne qui doit le faire avant de venir ici. The person who must lead the opening prayer must start at home before coming here. Ce n'est pas à l'église, on vient préparer l'église. It's not in the church we came to prepare the church. Les pasteurs. Pastors. Sans votre vie de prière, votre église vont mourir et vous-même vous serez déçus. If you don't have a prayer life, your churches will die and yourself you'll be disappointed. Jésus qui est mort, qui nous a donné l'église, il se levait pour prier. Jesus, la nuit, il prie. Who give us the church? Was waking up early to pray. In the Bible, he told that he prayed even in the night. See, si vous déclarez seulement Jésus sans le démontrer, if you declare vous ne pouvez only pas Jesus impacter. Without demonstrating it, you can't impact. Quelque chose m'avait arrivé à Lomé. Something happened to me l'année passée. Lomé, last year. Il a eu une soeur dans une veillée. Donc c'est ici qu'on a invité. In the all night that we invited. So je l'ai appelé. Then I called her. Hey, Seigneur. La sœur voulait détruire mon ministère. Sister wanted to destroy my ministry. J'ai prophétisé la sœur. I prophesied to her. Il y a quelqu'un qui te drague. Somebody is chasing you. Il dit, tu connais les filles là. You know this kind of lady. Moi, je suis déjà marié. Me, I'm already married. Dit, hey, Philippe Macaulay, tu es foutu. C'est Philippe Macaulay. C'est zinzé. On dit zinzé. Zahé. C'est zahé. C'est fini. C'est djinzé. Hey. C'est djinzé, frère. Mm-hmm. C'est djinzé. Hey. Avec certaines. With the attitude. Attitude. I mean, I'm already married. So I'm not concerned. Okay. Hey.
Et on est à Lomé. And we are in Lomé. Si c'est entre moi et lui là, tu peux dire ah Seigneur merci. If it were between her and I would have said oh thank you Lord. Mais la yeux d'une sœur qui est là-bas. But there was an eyes. Après j'ai remercié Dieu que Dieu m'aime trop. Of another lady there. Then later I bless God that God loves me so much. Tu dois chercher que la chose soit claire là. And now you must look to make the thing clearer. Je la connais pas. I don't know her. C'est la première fois. That's the first time. Si je la laisse comme ça, if I leave her like elle aura that, beaucoup à dire sur mon ministère et sur l'église. She will have a lot to say about my ministry and the church. So je la regardais avec tous ces grimaces. So I watch her with all her actions. Maintenant, je dis la sœur. And I say sister, tu es mariée, n'est-ce pas? You are married, isn't it? Je dis et Jean-Louis, qui est Jean-Louis? But who is Jean-Louis? Et quand on parle de Jean-Louis, si c'est Côte d'Ivoire, tu peux avoir beaucoup de Jean-Louis. Mais Lomé là, tu dois dire Kokouvi, Kodjovi, Komlavi. You can have a lot of Jean-Louis, but Togo, le Kokouvi, Komlavi. Et Jean-Louis. I say, who is Jean-Louis? C'est là, je dis. Hey, Jean-Louis. Jean-Louis. Je dis, normalement, ils ont rendez-vous la nuit là. And she said, normally, this evening, we have an appointment. Si vous déclarez Jésus sans le démontrer. If you declare Jesus without demonstrating. Le démontrer avec quoi? With what should we demonstrate him? C'est vos dons. It's your gift. Qui doit être motivé par la puissance. Your gift must be pushed by power. Et il n'y a pas puissance sans la prière. And there is no power without prayer. Tous les pasteurs qui voient un démon et tu ne chasses pas, tu es échoué. Any pastor who sees a demon does not cast him out, you have failed. Joshua, you have failed. On chasse démons par la parole, on chasse pas au nom de Jésus. We cast out demons with the word and in the name of Jesus. La grande commission dans Marc 16 nous a dit quoi? The great commission in Mark chapter 16 says what? Marc 16, verset 17. Marc chapitre 16, verset 17. Or 16 à 18. À partir de 15. Lisez. C'est la révolution spirituelle. Marc chapitre. Les gens auront mot de tête. Marc chapitre 16, à partir du verset 15, il dit. Et il leur dit, allez dans le monde entier. Annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Mm-hmm. Verset 16. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes miraculeux qui accompagnent. Il n'a même pas dit les pasteurs. Ceux qui ont cru. Sur la chose toujours vient. Il y a quelque chose global, quelque chose qui est dans l'ensemble que Dieu fait. La chose n'est pas pasteur ou femme de pasteur, enfant de pasteur. Il n'y a ni juif ni grec. C'est le Saint-Esprit qui fait la chose. There is something corporate that is done by the Holy Spirit, not the pastor, not the wife of the pastor. Because he said, here are the signs that will follow. Ce sont les signes. These are the signs that will follow. Allons-y. Il dit, à mon nom, ils chasseront des démons. Quel est le nom? Jésus. Quel est le nom? Jésus. Le nom de Jésus fait quoi? Plus que tous les noms. Alpha, Omega. Aucun nom n'est comme le tien. Aucun nom n'est comme lui. C'est dans mon nom. Il dit à mon nom. Vas-y. Ils chasseront des démons. Ils parlent. Si tu es pasteur ici. If you are a pastor here. Tu vois démons. And you see a demon. Et tu deviens policier. And you become a police. Passe. On attaque. Attaquer parfois, elle a beaucoup de sagesse dedans. And par exemple, je suis en train d'assister. S'il a un démon, je te ignore parce que on connaît. Il a beaucoup de niveaux de dealer avec eux. Parce que tu peux attaquer maintenant, tu peux plus enseigner.
If there is a manifestation right now, I can ignore because I'm teaching. If I try to tackle it, we can waste time here with. Mais si chaque fois vous dites mami, j'ai pas cette attention, but tu es menteur. Anytime you are saying I don't have that anointing, you are a liar. Il n'y a pas une grâce spéciale pour délivrance. There is not tout chrétien doit le faire. There's not ce signe a special doit accompagner. These are the signs that will follow. Tu accompagnes qui lit? Those who believe. Accompagnons ceux qui auront cru. On va travailler. Hein? Ceux qui ont cru. Yeah, those who believe. Ceux qui ont cru ne sont pas seulement les pasteurs. The believers are not only the pastors. Tu n'es pas enfant de Jésus. Are you not a child of God? Tu n'es pas un chrétien? Are you not a Christian? Tu as cru ou tu n'as pas cru? Have you believed or not? On dit cru. Oh. Tu as cru. Tu as cru ou pas? Have you believed or not? Is it dans mon nom? Is it in my name? La clé c'est de croire. The key is to believe. Tu crois en Jésus? Do you believe in Jesus? Comme ton sauveur personnel. Is it your personal savior? Il est mort pour toi. Died for you. Enterré. Buried. Et ressuscité. And resurrected. Et il revient te prendre. And he's coming back to pick you up. Si tu as la, tu crois. If you believe. Dis maintenant. He said now. Dans mon nom. In my name. Uh-huh. Ils chasseront des démons. You cast il, out demons. C'est il pluriel ou singulier? C'est il pluriel parce que le verbe est chasseront. Femmes, hommes sont dedans. Every gender of human being are part. Ils chasseront les. They'll cast out demons. Now, pourquoi beaucoup ne chassent pas les démons? Why is it that many are not casting out demons? Ils ont une vie d'hypocrisie. They have an hypocrite life. Yeah. Yes. Il y a un pasteur qui est en train de délivrer une sœur. A pastor was praying for the deliverance of a sister. Sors! Come out! Sors! Come out! Sors! Come out! Sors! Come out! Et parfois, ils sont zélés, ils veulent montrer les choses. Sometimes they are so much zealous, they want to show up. Quel est ton nom? What's your name? Manifeste! Show yourself! So, le démon. Demon starting laughing. Pasteur. Pasteur. Où tu étais hier? Where were you yesterday? Maintenant le pasteur que tout esprit soit en silence sous l'autorité du Saint. Non, le pasteur c'est l'esprit esprit. Il silent under the authority of the Holy Spirit. Les démons savent ce qu'ils ont fait avec toi. The demons knows what they have done with you. À cause de l'hypocrisie. Because of hypocrisy. La personne n'a pas. Il a une vie de péché cachée. The person have a hidden secret sin. On était à Abidjan. Trois jours jeûne sec. 3 days dry fast. Elle a une soeur de 21 ans. A sister of 21 venue years. De Kumasi. Came from Kumasi. Prière, prière, prière. We're praying, praying, praying. Elle a confessé. She confessed. Qu'elle allait voir un Béninois. She encore went, Béninois. Oh. She went to see a Béninois. Adou et nous Jésus. Qu'elle allait prendre quelque chose. Quand tu sors avec elle, elle a des choses à faire avec tes pieds. Tout ce qu'elle te demande, tu le donnes. So she, if she went to carry a juju that when you come to sleep with her, she's 21 years. When a man sleep with her, she had that thing that she does with his legs. Anything she asks, he will give. So on était dans le salon de mon beau-père. So when la nuit là, je les ai fait sortir du salon. Father-in-law. On allait sur un terrain de football. The night I took them out to the park football. Deliverance. Park. Deliverance. Faut venir voir. Come and see. Mais il y a un frère au milieu de nous. But there was a brother among us. Il trahit facilement. He can easily betray. Son nom là, Marius. Marius. Mais le frère peut faire évangélisation. But the brother can evangelize. Mais sa vie n'est pas propre. But his life is not clean. Tu connais les gens qui prend avantage même sur le pasteur. La personne est là, ce qu'il peut avoir. Tu connais les people là. That can take advantage on their leaders. Chaque fois que quelqu'un contre for. Le pasteur, il est dans leur camp. Anytime that somebody is against the pastor, he is with that those people. Il avait les délivrances. He was here, come on. Come on. Viens frère, on va faire exemple. Come brother. Tout délivrance que la soeur est à terre. All the deliverance that elle cherchait à the floor was sticking to run. Quand elle a écouté la voix de frère là. When she heard the voice of the brother. Elle a eu une force pour chercher quelle voix. She have a strength to look at what which voice. And she hold him. Maintenant,
on est devenu ONU pour faire la paix entre l'homme et le démon. Became now United Union to make peace among demons and nous tous qui sont là, on dit ça, le démon veut partir. Mais quand sa voix est sortie, elle est tournée vers all of us when we're saying out, the demon wants to go, but as he spoke, she turned and she hold him. Souviens-toi que les démons disent que Jésus on connaît, Paul on connaît, mais vous là. Remember that the demon said, we know Jesus, we know Paul, but who are you? Deuxième chose, si tu même tu n'as pas su un péché, manque de prière, les gens que la personne il prie. Second pas. Thing, if you are not sinning and you are prayerless, parce que c'est la puissance, l'autorité qui fait fuir le démon. Because ce n'est pas seulement la sanctification, arrêtez-moi. It's the power, the authority that casts out demons, not only holiness. Stop that. Hein? Is that okay? Il y a des gens qui sont dans sanctification qui sont affligés parce qu'ils n'ont pas la puissance, pas la prière. There are some people they are in holiness but they are into affliction because there's no they are prayerless. Tu sais, prière qui donne la force. Do you know the prayer that gives strength? Prière de la nuit. The night prayers. Prière compris le matin là, ça te donne la sagesse, ça te guide. The morning prayer gives you wisdom and direction. But the night one gives power. Yeah, for me. Je voulais. Oh. Il est l'heure, non? Il est l'heure, non? Il est l'heure. Ok. Shalom, papa, que Dieu vous bénisse. Don Paul. Aujourd'hui, là, tu as eu problème. Hein? Du courage. Pour moi, c'est une question que je veux poser. Bah, ok. Vas-y, frère. Tu l'as... Okay, que Dieu vous bénisse, papa. Je veux poser une question. Mm. Je me rappelle à notre première séance de prière à Douko. I remember our first prayer session at Dumont. And we use Romans chapter 12 verse 1. Vous nous avez posé une question, pourquoi Jésus priait la nuit? You were asking question, why was Jesus praying the night? Ça donne la force, je veux vraiment comprendre et savoir plus. Vous nous avez demandé d'aller faire des recherches. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore eu la réponse. Moi, mais j'ai oublié. Je veux savoir plus. So then pastor asked us to go and make research about why Jesus was praying the night. Le diable aime. Ici, pourquoi la nuit? La nuit, c'est la fin d'un jour et c'est le commencement d'un autre. The night is the end of a day and the beginning of the of another. Il a le diable aime l'obscurité. And the devil like darkness. Et l'obscurité n'est pas seulement le noir, là où il n'y a pas lumière. L'obscurité est aussi l'ignorance. And obscurity or darkness, not only obscurity, not only darkness, is also ignorance. Three. Jésus lui-même dit que quand l'homme dormait, son ennemi est venu. So Jesus himself said that when the man was asleep, his enemy came and sold tongues. Nada le yihe me ena ne zando tuna hontru. There is something in the night. That's why when we sleep, we close, we shut our doors. Like quelque chose. There is something. C'est pourquoi quand tu construis maison là. That's why even though you build your house, tu la nuit là, you manage in the night, you lock it. Mais on ferme pas porte sur les démons, but porte physique. We don't close physical doors on demons. Et c'est le moment où l'homme est fait pour prier. And it's the time that man is weak to pray. Il a certaines choses, je vous dis la vérité, ça va pas changer jusqu'à le temps tu as pris ton temps de changer ton caractère envers la prière. There are certain things that are not going to change until you change your behavior towards prayer or in prayer. Hey, hey pastor. Pastors. Shame. Honte. Ah, je souffre. Et la certaine souffrance, tu as mis ça sur toi parce que tu ne pries pas. Si le pasteur prie avec l'église, ça c'est pas prière. Oubliez ça. The prayer that the pastor is doing in the church with the church members, that's not the prayer. Priez même en prière à l'église là.
Even the prayer we are praying in churches, ce n'est pas la chose. That's not the thing. On n'a pas le temps. We don't have parce time. Parce que tout à l'heure même on doit partir. Even right now. Normalement avec un message comme ça là, normally with this type of message, on doit se sentir dans l'esprit. We must feel ourselves in the spirit. Pour établir certaines choses, pour être en flamme. To establish certain things, to remain on fire. Blazing. Comment la reine a dit, je n'ai pas peur de l'armée de Russie, de l'Amérique, mais la prière de John Knox. How the queen can say, I'm not afraid of the Russia army, US and all these things, but I'm afraid of the prayer of John Knox. Pourquoi? C'était un mati. Je vais te lire un passage. I'm going to read tu es prêt pour ça? A scripture for you. Are you ready? Tu connais ça, mais tu connais pas l'interprétation. You know it, but you don't have the interpretation or the understanding. Luc 18. Luke chapter 18. Verset 1. Verse 1. Oh, verset 1. 1. Ok. Fais l'effort de lire. Faut pas écouter la lecture ici. Toi, mais faut lire d'abord avant qu'on lire sur toi. Luc 18, verset 1. Parce qu'il faut les laisser, ils n'ont qu'à lire. One, go, tout le monde, allons-y. Luc 18, verset 1, il dit quoi? Encore. Les femmes seulement. Ok, les hommes, il faut les montrer. Les hommes seulement. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Tout le monde. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Now, écoute l'anglais. He spoke a parable unto them. Il leur raconta une parabole. To this end. Jusqu'à ce that men ought to always to pray. Qu'il faut que les hommes prient toujours. And not to faint. Sans se relâcher. If you don't pray, you will faint. Si vous ne priez pas, vous allez relâcher. Non, il faut donner une interprétation terre à terre. Faint là. Faint, comme c'est, ça. En fait, c'est tombé. Tcho. La parole là. Ok, lis chez toi. Il y a ma version. Jésus leur dit ensuite cette parabole. Ah, le micro est en train de se relâcher. Jésus leur dit ensuite cette parabole. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devraient toujours prier sans jamais se décourager. L'anglais, quand il dit faint, quand en anglais on dit faint là, c'est évanouir ou tomber. Tu tombes comme ça, doucement. C'est comme tu es en train de courir du et coup. Puis c'est comme tu courais et puis tu es tombé dans les pommes, comme on le dit en français. Un coup. Cela des situations. So there are situations de, of. Men ought to pray. Il faut que les hommes prient. Always. Toujours. And not to faint. Sans tomber. Tu es découragé, tu ne pries pas. Tu as, on dit, la française dit, tu as relâché. Tu as relâché. C'est découragé aussi, papa. Tu ne pries pas. You are not praying. You see, prière. Ok, ça va aller. Je n'ai jamais eu le temps de prier sur quelque chose, non. Un sujet de. Je ne peux pas, ça ne passe pas. Je fais, mais je ne sais pas comment les gens réussissent ça. Seigneur, c'est mon loyer. Papa Jésus, loyer. Et loyer.
pour moi, ça va aller. Ça doit partir quelque part d'autre. Je peux commencer, mais ça. I can pray long for things concerning rent. No. Oh Dieu, oh Dieu, oh God, oh Dieu, oh God, oh Dieu, oh God. Scolarité, my school fee. C'est bon, il faut prier quand même. Il faut commencer par là. It's good. Start from there. Mais prier devient prier quand tu n'as pas. Tu pries, mais la Bible dit qu'on ne sait pas comment prier, mais le Saint-Esprit. So the Bible said that we don't know how to pray, that the Holy Spirit pray through us. C'est pourquoi c'est très important de parler la langue. That's why it's very important to speak in tongue. Et tu marches dans la chambre. Tu parles en langue. Aujourd'hui, je suis en train de prier. Je faisais quelque chose. Le Saint-Esprit dit, arrête ça. I was doing something and the Holy Spirit said stop it. Tu sais pourquoi? Do you know why? Parce que ça va devenir mon habitude quand je vais prier devant les gens. It will become my habit when I will pray before people. J'étais dans mon jokoto et j'ai mis mes deux mains dedans. Akadada, 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 akadada. Parce que je veux pas être un climatiseur là. Akadada, akadada. C'était doux, mais le Saint-Esprit dit non. Enlève la main. Ce n'est pas péché. Mais il dit, quand tu seras habitué, ça devient un caractère. Ce que vous faites dedans. What you are doing inside there. Tu fais malin, on dit prière, tu dors là. C'est pourquoi tu dors à l'église quand on prie. Pray and you are sleeping. That's il y a des gens qu'on dit prière du coup. Il veut avaler. There are some people when you say let's pray. They are yawning. Sheka atipa kupela pakusa aribende tikapa akupi akupa akatata tanta aribaka shatatata hey kuraka suka atibeleketete atubankufa akuvelepete akuvelepete akuvelepekete akipetepe. Comment tu peux être fatigué avec ça? Akupeleketete akibarada 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 akibaraba akashatata akapatata akapatata akipele kwata akipele kwata akipele kata akwata kwata akwata kata akwata kata akwata kata. J'enlève tout caillou qui est devant ma destinée. Toute vallée est remplie. Kaduka akaya 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 akupe 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 akupe. Parfois quand tu veux prier seul, sometimes when you want to pray, c'est difficile. Il faut chasser une chanson spirituelle. And it's difficult to pray. You must look for a spiritual song that can steer you up. Mais ça aussi, avec le temps, je te décourage de l'éteindre. But that with time, I will urge you to stop it. Parce que sans ça, tu peux plus prier. Because time will come without that, you can't pray anymore. Les Jonas, les pasteurs ados, je leur disais ça. Et les pasteurs chrétiens. Arrêtez ça, c'est bon. À un temps donné, tu peux. It's good, but at a certain point, you must stop it. Mais tu peux prier sans ça aussi. But you can ascend in prayer without that. Paul a dit quelque chose. Apostle Paul said something. Un Samuel. Il dit, j'ai prié pour vous. Comme ça, ma conscience, dans ma conscience, non, hold me. Yeah, il dit, je prie pour que je ne sois pas coupable dans ma conscience. On demande, vous avez prié combien de temps? 30 minutes. I've seen people, have you prayed how many times? 30 minutes. Le jour, la personne a fait une heure de temps. On a prié dès. The day the person prayed. 30 minutes, say we pray, we do pray. Même quand tu appelles les gens à prier, tu vois que il y a des gens, leur caractère même éteint l'atmosphère. You see, even when you are calling people to pray, their attitude quench the atmosphere. Yeah.
il y a parfois. Hey, les chrétiens d'aujourd'hui, vous êtes terribles. The Christians nowadays, you are really terrible. Quand tu vois quelqu'un en train de prier, when you see somebody praying, normal, c'est un appel, ça t'appelle aussi. It's also a calling to pray. Mais aujourd'hui, le chrétien, quand quelqu'un prie, today when somebody is praying, another person will put a bedsheet on himself and snoring. L'écriture que tu as mentionné, c'est dans 1 Samuel 12, verset 21. Lis pour moi, frère. Aïe, 1 Samuel 12, à partir quelqu'un, du, ce soir, à partir du, c'est le verset ce 23, petit même. Matin, tu seras dans un escalier quelque part. Adada, kaba, kobea, adiba, kofé, papa, papa. Vos parents ont fait les libations. Vous avez des mamans qui étaient célestes, mamans qui étaient dans les fausses églises, qui sont en train d'invoquer les morts. Et toi, tu es en Jésus. Prier est ton problème. Tu es dans les vidéos. Ah, quelle folie ça! Aïe! Quelle folie ça! La paix de Dieu n'est pas synonyme de la bénédiction. Dieu peut t'appeler, la folie va faire que tu vas souffrir. God can call you and foolishness will cause you to suffer. Because the calling does not mean blessing. Le diable aime perdre le temps. The devil like wasting time of people. Yes. Il aime perdre le temps. Yes, it is true. Causerie, tu as quoi dedans? As you people chat, what are you gaining in it? Tu as quoi dans causerie? On est avant de commencer au oasis de Dieu. Before we j'étais start dans une église God, d'un ami, on était trois. I was in the church of a friend, we were three. Je suis le troisième. I was the third. C'est moi qui viens nettoyer l'église. I'm the one who come and clean the church. L'église n'avait pas chaise, je vais aller louer pour venir. The church was not having chairs. I have to go and rent chairs. Amen. Il a le pasteur qui a commencé son église, mais il n'a pas quelqu'un. So c'est moi qui a invité les gens. Who started his church, but there was nobody. Je suis devenu pianiste. I became écoutez-moi. The keyboarder of the church. Nous on n'est pas ici par parachute. We are not here like we just appear. Je suis devenu pianiste. I was the keyboarder. Si je peux, je transpose bien. If I know how to transpose. Je jouais piano. I was playing keyboard. Pour porter pantalon, c'est quelqu'un qui doit porter pour me donner. Before I wear a trouser, another person should wear it before and dash it to me later. Mais c'est moi qui. Tu peux voir que la personne aime Dieu qui travaille. C'est and moi. You can see the person who love God and working hard. I was the one. Un jour, j'ai pris 40 jours de jeûne. C'est pas l'église qui m'a dit. Moi, mais j'ai pris. I took 40 days of fasting. It's not the church. 40 jours de jeûne. 40 days. On vient à l'église, on finit. We come to church when we finish. Transport même j'ai pas. Even transportation. Si je monte pas dans la voiture du pasteur, if I don't enter in the car of the pastor, tu vas marcher. You will walk. Vous êtes paresseux, mes enfants, les pasteurs. You are so lazy, my children. Ma vie va vous juger. My life will judge you. Parfois je vous dis pas ces choses. C'est comme, vous savez oui oh. Je dis je vais pas à la maison. I say I'm not going home. Tu vas aller sur un terrain de foot. Go on the football park. Adakada. And pray. Je sais pas quelle prière je priais. Même. I don't even know which prayer I was praying. Seigneur, utilise-moi. Lord, use me. La foutaise. En tout cas, je vais prier. Anyway, I go. Un jour, j'ai prié. Vous connaissez les gens qui font cordonnier là. I pray one day and I. Au Ghana, les cordonniers ils frappent. Ici, the shoemaker. Shoemakers. Un jour j'ai prié, je suis sorti, j'ai vu le cordonnier. One day I prayed and I saw the shoemaker. Qui faisait comme ça? He was doing that. Je suis sorti. I came out. Je dis Seigneur. I said Lord. Je converse ça à ma prière. I turn it into my prayer. Chaque fois qu'il frappe, c'est moi qui prie. As he keep. Je sais pas où j'ai vu. Faut pas aller frère. I'm the one praying. Mais pour te dire, il a une détermination. To tell you that there must be a determination. C'est la win sir. That's where a sister. Je vais me lever très tôt. I wake up early. Aïe. Prie avec les gens d'Amérique. Pray with people of America.
C'est la première fois la soeur m'a envoyé l'agent d'Amérique. Moi, Philippe. The first time she sent me money from America, c'est me, Philippe. Apostle Kinsley est là-bas. Apostle Kinsley est là. Quand je suis en train de finir le 40 jours. When I was ending the 40 days. On a eu courage. Je dis, on va aller faire veiller à Kumasi. Kumasi, c'est 4 heures de voyage à Accra, Kumasi. And I told them we are having a choir that we are going to Kumasi for an all night. La seule personne qu'on connaissait, c'est une sœur qui travaille dans banque. The only person that we know in Kumasi was a sister who worked in the bank. Elle a loué deux chambres salon. She rent 2 bedroom. Pour moi, là, c'est fini. Deux chambres salon là. For me, that 2 bedroom. On va aller. We are going there. La veillée, c'est vendredi. It was Friday. Je pense qu'on est allé mercredi. I thought that we went there Wednesday. On allait louer une classe. On connaît pas, les gens ne connaissent pas là-bas. We went and rent a classroom. And people don't know us there. Ta destinée est avec ta prière. Your destiny is with your prayer. Qu'est-ce qui est arrivé? What happened? Il avait une soeur. There was a sister qui était chrétien. That was a Christian. Je lui ai dit que moi je vais à Kumasi. I told her I'm going to Kumasi. Dit Philippe. C'est Philippe. J'ai un ami. I have a friend. Qui va se marier dans la semaine. That is going to marry in the week. Prends numéro, faut prier pour la soeur. Take this number and pray for. Acclame le Seigneur. Je veux te provoquer ce soir. So, on est allé, je pense que jeudi, vendredi. So, vous connaissez le petit matin de vendredi, là, entre jeudi et. When they are à l'époque, then, le MTN Ghana, je pense, donnait un temps où tu peux appeler cadeau. That was a time that you can call free in the night. C'est l'heure là où j'ai appelé la sœur. That was the time where I called the sister. So on a commencé par prier. Je la connais pas, elle me connaît pas. So I don't know her, she doesn't know me too, and we were praying. Je suis Philippe. I am Philippe. Ta sœur dit de prier pour toi. Your friend said I should pray for you. Ce matin. So this morning. Adadada. We were praying. Kibadada. We were praying. Alibrakada. Praying. Akuvelea. Praying. Makuafa. Praying. Akibaya. Praying. Tu vas marier. Praying. Seigneur ta puissance. Praying. Dans cette prière là, mes yeux, as we were praying, sont ouverts. God opened my eyes. Je dis la sœur. I say sister. Je vois ta maman. I can see your mother. Qui a mal au pied. That's having a issue with her leg. Quand je disais ça, la maman aussi venait taper la porte de la fille. When I was saying that, her mother was coming to knock to her door. Pour dire que ma fille, la personne qui prie avec toi. And to tell her daughter that the person who is praying with you. Faut lui dire de prier avec moi. Tell the person also to pray with me. Tu peux appeler ça coïncidence. You can call it a coincidence. Mais la destinée, quand la prière donne naissance à ça, c'est comme coïncidence. When prayer gives birth to your destiny, it looks like a coincidence. Je connais pas la maison de la sœur. I don't know the house. Je la connais pas. I don't know her. Ses numéros seulement m'a donné. It's only a telephone number that they gave. Et je suis dans la dernière semaine de mon 40 jours. And I was in the last week of my 40 days. So la maman a pris le téléphone. So the mother took the phone. C'est comme miracle. Je sais It's pas. It's like a miracle. Je dis maman. I said mommy. Tu as problème? Dis oui. You have an issue with your leg. Say yes. So maintenant. So now. Après la prière, la maman dit ok. Le matin, after the prayer, the woman said in the morning, de venir, come, de venir. La personne qui doit m'amener, qui est le son, sa fille, qui est au milieu, doit aller au travail. And the person who must take me to her has to go to work. Et tu quoi? Philippe m'a collé. J'ai pris tous les moyens. I took everybody. 2 voitures. 2 cars. On allait là-bas, on est perdu. We went there, we were lost. La maman aussi, je savais pas qu'elle est venue d'Allemagne. I didn't know that the woman came from Germany. Faut pas prier. Don't pray. La folie. That's foolish. Oh no, Risco! You are not sleeping. How can you sleep in this time? Elle est venue d'Allemagne. She came from Germany. So on allait là-bas. So we went there. Je suis allé avec les sœurs qui chantent. I went with sister who know how to sing. On a fait pleurer la maman. We make the woman cry. On ne sait pas qu'elle venait d'Allemagne. We didn't know that she was coming from Germany. On a fait, elle a pleuré. She cried.
Elle a pleuré. She cried. So on dit, oh, maman, le soir on a une veille. And we said, mommy, this evening we have an all-night. So le plan c'est de faire la veille, on finit veille, tout le monde monte dans bus, on retourne à Accra. So the plan was after the all night we all joined the bus and we are going back to Accra. So mes amis, j'ai tout le monde que vous connaissez dans Kumasi, vous allez l'inviter. And I told them that everybody that you know in Kumasi, you have to invite them. J'ai pas encore commencé Oasis. I've not even started Oasis. C'est le frère Philippe qui fait ça. That's the brother Philippe doing that. Eh? La maman dit elle vient veille. And the woman says she's coming to our all night. Le jour là, tu peux imaginer veille de classe, quelqu'un est venu avec 4x4 bâché. Tu peux imaginer, c'est comme la mission a réussi. Hey, Seigneur. All night in the classroom, somebody come with a pickup. 4x4. So pour nous, for us, on finit veille, on va partir. When we are done, we'll go. La maman dit, the woman said, non. She said no. Vous allez venir chez moi. You come to my place. Les filles vont se laver. The ladies will bath. Et prenez petit déjeuner. Take a breakfast. Aïe. Nous qui continuons les dire avec beaucoup de bonheur. On allait. Petit déjeuner vraiment. Tu peux imaginer les gens qui ont prié. Tu connais le mouvement là. On est comme les dévoreurs. Dévoreurs. La maman nous a servi, les filles ont pris, ils se sont lavés, on a fini, la maman nous a donné l'argent. And when we're done, the lady were done bathing and take the breakfast. Et la maman dit, Philippe. And she said, Philippe. Dans une semaine, in 1 week, je te vois à Accra. I'll meet you in Accra. On parle de la prière. We are talking about prayer. On a déjà contact, so on s'appelait. So we already have contact, so we were calling each other. Une semaine, elle est venue à Accra. 1 week, she came to Accra. Elle m'a pris. She held me by the hand. Pour amener, il m'a amené dans une maison. She took me in the house. Une maison inachevée. House. An uncompleted house. C'est la maison de sa camarade. It's the house of a friend. Quand je suis rentré dans cette maison, when I entered that house, j'ai rencontré une Béninoise. I met a lady from Benin qu'on appelle Natasha. Her name is Natasha. Elle était enceinte à l'époque. She was pregnant then. La maman dit, the woman said, Natasha, Natasha, rencontre mon fils. Meet my son. Fils, son. C'est la belle-fille de mon ami. It's the sister-in-law of my friend. Dit Natasha, tout ce que tu as besoin spirituellement, il faut parler à mon fils. Said, Natasha, anything that you need spiritually, talk to my son. So de la maman, from the woman, on m'a donné à Natasha. They gave me to Natasha. So maintenant la maman doit voyager. Now the woman have to travel. La maman m'a pris. She took me. On était à l'aéroport. Went at the airport. Il m'a regardé. She watched me. Dit Philip. C'est Philip. Je t'aime. I love you. C'est pas sexuel, pardon. It's not erotic. Il dit Philippe. C'est Philippe. J'ai deux enfants. I have two children. Mais un m'a mis dans les choses. But one put me into trouble. Je suis en train de payer. I am paying debt. Sinon Philippe. Otherwise, j'allais te prendre. I would have taken you. Allemagne. To Germany. Et dans mon cœur, je dis, quel est ce démon dans ma famille? They say, which is this demon in my family? Quel est ce démon là? What is that demon in my family? On est à l'aéroport. We're at the airport. Je vois l'avion. I can see the plane. Je vois la maman qui doit m'amener. I see the woman who will take me there. Elle a soulevé l'argent, me donné. Mais dans mon cœur, j'étais triste. I was sad. Mais je remercie Dieu que j'ai parlé. But I bless God that I didn't go. Je remercie Dieu. I bless God that I didn't go. Il y a certaines choses. Demain là, tu vas acclamer Jésus. There are certain things that you are missing today. Tomorrow, you will clap for the Lord for that. So la personne a vu à partir. So she took a plane and she left. So je suis resté avec la femme enceinte. So I stay with the pregnant woman. Avec son mari. And her husband. La maison inachevée. In an uncompleted house. Je viens. I came. On prie. We pray. Je prophétise. I prophesy. Je dis à la maman. I told the woman. Un jour, son mari l'a botté. One day, her husband beat her. Quand elle m'a appelé. When she called me, en prière, je dis, ton mari va t'acheter voiture. In prayer, I say your husband will buy you a car. On dit, mon mari m'a frappé. I say, Pastor, my husband beat me, and you say he will buy me a car. Je dis, j'ai vu ton mari t'a loué magasin. And I told her, I saw your husband giving you a magazine. Je suis là, la femme a commencé par m'appeler. I was there, the woman started calling me. Son mari l'a acheté 4x4 9. Her husband bought her a brand new car, Tier Rubber. So quand elle a vu ça, when she saw that, elle m'a pris aussi. She took me to lancer aux gens. She started throwing me to people.
jusqu'à l'époque, aïe, vous là, tu sais, j'ai fui à cause de mon appel et de sanctification. Sinon, toi, tu ne vas pas me rencontrer comme pasteur. I ran away because of holiness in my core. Otherwise, you would have not met me as a pastor. Les gens de Londres. People of London. Apostle Kingsley, là-bas, il faut le demander. Yes, Apostle Kingsley. Comment c'est qu'on va? C'est comme. On parle pas, on n'est pas de là-bas, mais les villas on nous donne. We are not from Kumasi, but they can give us houses to stay. La puissance de la prière. It's the power of prayer. La puissance de la prière. Power of prayer. C'est sanctification. It's holy. Même Abidjan. Even in Abidjan. Voilà. Vous devez remercier même ce contact avec Natasha. Natasha a fait école anglais, elle a fait anglais à Accra avec les Ivoiriens. So maintenant, c'est moi qui prie avec elle. Now I'm praying with her. On a commencé l'église aussi. We start the church. So on a un programme prophétique chaque mardi matin. So every Tuesday morning we have a prophetic. Mardi matin, c'est le temps où les gens vont au travail et à l'école, n'est-ce pas? Tuesday morning, people go to work and school, isn't it? Mais moi, je faisais prier. I was praying. Et les gens venaient. And people were coming. Pourquoi les gens vont venir? Why people were coming? C'est ce qui se passe là-bas. It's what was happening there. Et Natasha avait une influence où notre ancien président, c'est elle qui faisait son savon. So si the influence of Natasha, our former president, was the one doing a soap. Can you imagine how God has blessed her? C'est comme talent sa femme, c'est toi qui fais son savon pour la veste. Like you are the one doing the soap of the wife of President Talon. C'est là Natasha a amené son camarade de l'école. So Natasha brought a school. Qui sont venus en vacances? Who came to vacation? Donc, elle aussi a marié un Nigérian au Ghana. She also married a Nigerian in Ghana. C'est même prière prophétie. It's the same prayer and prophecy. J'ai prophétisé à la maman. I prophesied to the woman. Il dit, je te prends pour aller chez mon mari. So I'll take you to go to my husband. Je suis allé chez son mari. I went to her husband. Ils ont fait un long rang pour moi. They have a long queue. Le mari est assis. The husband is la seated. La maman est assis. The woman is seated. On passe les enfants. And they are bringing their children one after another and say prophesy. Quand j'ai fini, when I was done, il dit, je veux aller à la Côte d'Ivoire. I said, I want to go to Ivory Coast. Il dit, on te prend. They say, we are going with you. C'est là que je suis allé à la Côte d'Ivoire. That's how I came to la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi aujourd'hui, that's why today, tu es dans ministère. You are in ministry. Aujourd'hui, today, tu es dans ministère. You are in ministry. Aujourd'hui, today, tu es dans ministère. You are in ministry. Aujourd'hui, today, où sont les Ivoiriens? You are here. Ça commençait par quoi? And it started. How does it start? Jeûne et prière. Prayer and fasting. Il a quelque chose que je dis. Il n'a pas une maman, tu vas aller dire que maman, je suis. Comment ça? How can... I don't have a mother to say, maman, I'm suffering, help me. How? Comment? How? Comment? How? Je vous ai dit, un jour, j'ai fermé portail. Ma grand-sœur m'a dit, hey, toi aussi, tu, aujourd'hui, tu fermes portail. I told you that one day I closed the gate and my elder sister said you have a je house now. Dans le salon de ma sœur. I was sleeping in the hall. Tu dors dans le salon mais tu ne dois pas dormir dans le fauteuil. You sleep in the hall but you shouldn't sleep in the sofa. Who knows that? Hey, Kenneth. Kenneth. Votre sang ne sera pas sur moi. Oh. Your blood will not be on me. Vous avez moi. Il n'a pas quelque tout le monde tu rencontres ils sont là pour te décourager. Everybody that you meet they are always there to discourage you. Votre destinée dort avec vous. Your destiny is asleep with you. Parfois mais c'est moi qui attrape poisson et je donne à mes enfants. Sometimes the one who catches the fish and give it to my children. Tu as prié avec cette personne. So you pray with this person. Et vous? What about you? Qu'est-ce que là le jour je vais venir au Bénin, je vais louer maison, les Léonel, les Fortuna, les pasteurs que vous allez me dire, ah pasteur, garde ton argent. À part la grâce de Dieu, par l'évangélisation, on a pu gagner un frère là. Tout ce qui est mission, le vieux, viens seulement. Oh, je ne serai pas fier. Frère, vous sont où là? Si vous donnez les excuses, if you are giving excuses not to serve the Lord, prie d'abord
Comme ça, tes consciences. Sinon, vos consciences là vous jugent. Je vous dis la vérité. You must toi, pray. Tu écoutes déjà, tes consciences te jugent. Otherwise, your conscience will judge you. Tu sais que tu n'as pas vraiment prié. You know that you have not really prayed. Institut vous qui ont des femmes et des enfants. And you who have wife and children. Si vous n'avez pas vos enfants ou ta femme va te maudire. If it's otherwise your children or your wife will curse you. Je te suis là. C'est quoi on a vu? So I've been following you. What have we gained? So souffrance. Rien que la souffrance. Elle n'est pas Isabelle. And she's not Jezabel. C'est comme une Abigail qui est avec Laban. It's like an Abigail who is with Laban. Vos yeux n'est pas rouge. Your eyes are not red. Parfois, je prie avec les gars. On prie. Votre pasteur, lui, il prie toujours. C'est eux qui sont fatigués. Sometimes we are praying, you see them, they are tired. Fatigué comment? How tired? Men ought to pay. Pray. Faut que les hommes prient. Not to faint. Non pas relâcher. Ton école, ton dossier peut te donner à manger. Your school, your certificate can give you food. Your certificate can put food on your table. Ton diplôme peut mettre la nourriture sur ta table. Mais ta prière, but your prayer, va pas seulement te donner à manger. It's not only going to feed you, ça va te préserver. It will preserve you, même dans famine. Even in famine, et ça va t'amener loin. And it will take you far. Ça change l'histoire de ta destinée. It changes the history of your destiny. You see, vous voyez? Can you see? Je suis parti au Ghana. I went to Ghana. Le père m'a chassé de la maison. My father sacked me from the house. Après 20 ans, after 20 years, il a eu des rencontres. There were meetings. 20 ans même c'est trop. Après je pense 15 ans, 10 ans, et 10 or 15 years. Les gens qu'on souhaitait être à leur place dans la famille. The people that we wish to be, leur maman like them, et leur papa, on souhaitait que c'est eux qui allaient nous. Wish that their fathers and mothers give birth to us. On se rencontre, and we meet. Everything has vanished. Il y a un changement. There's a change. La fois dernière, last time, l'une de mes cousins, one of my cousins, tu sais ce qu'il m'a dit. You know what he told me? Dit, tu es une icône de la famille. C'est français? Icône. Say you are an icon in our family. Mais c'est eux qui ont allé à l'école. But they are the one who went to school. Le papa était professeur. The father was a de psychologie. Of psychology. Il parle bien le français. He knows how to speak well French. Qu'est-ce qu'il a changé? What have you done? C'est Jésus. It's Jesus. Avec l'espérance. Oui, ils sont chrétiens aussi. They are also Christian. Finalement, de mon papa, la veille, j'ai prêché. Ils sont venus. Ah, tu as fait la fierté de la famille. And I preached in the wakekeeping of my father, and they came and said, you have made the family proud. Il dit, tu as pesé le cœur. Say, you have touched his heart. Tu es, si tu as voyagé de la maison, tu as sorti de la maison, tu as voyagé de ton pays, comment tu vas retourner? Comment? De quelle forme tu vas retourner? You came out of your country as you are here. How are you going back? A day without prayer is a day without blessing. Un jour sans prière est un jour sans bénédiction. And a life without prayer is a life without power. Et une vie sans prière est une vie sans puissance. Les gens n'ont pas peur de te faire du mal.
people are not afraid to do you evil. D.L. Moody says something. D.L. Moody said every great movement of God can be traced to a kneel figures. In other words, to prayer position. Il dit tous les grands mouvements de Dieu se retrouvent dans le dans les genoux pliés, ce qui veut dire la prière. Martin Luther. He said to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Il dit être un chrétien sans prière est impossible parce que c'est égal à quelqu'un qui vit sans respirer. Les gens qui font le fort de le faire, ils sont avec leur Bible, leur petite prière. Tu vas voir, c'est comme, vous voyez comment la neige glace une rivière. You see how the snow cools a river. Ça se déglace. It melts. Le leader sait que ça se déglace. The leader knows that things are getting cold. Depuis Ghana, lui, il a appris prière. Since Ghana, he catches prayer. La fois je lui parlais seulement de sa maman, seulement. Last time I was only talking about his. Ils ont une histoire profonde avec leur maman. Deep story with their mother. Cette conversation, mes conversations, c'est devenu prier. Dieu est aussi ça. So we were just talking and it became a prayer and. Faut le passer micro, il n'a qu'à parler. Ta bouche, la Bible dit que. La parole de Samuel, nue de ses paroles, est tombée à terre. The Bible says none of the word of Samuel fell on the ground. Il faut réduire et faire quelque chose dans deux minutes. Shalom, shalom, église. Avant que ma maman ne revienne, je suis allé voir papa